Alors que je circulais dans ce tunnel sordide, je fus surpris par un graffeur venu d'une autre planète. Rouen, le pot de chambre de la Normandie. Il me carjacka, me laissant seulement mon volant. Me transmit son virus artistique. Je sais désormais que je fais partie des leurs. De leur monde fantastique. Havre, les envahisseurs, c'est plutôt cela. Ils chient partout. Et puis cela aussi, parce que... Ça gâche le décor. Remarquez, j'avais besoin d'une bagnole, puisqu'on m'a piqué la mienne. Elle est petite, mais je vais quand même peut-être en profiter pour les piquer. Aussi, ça lui apprendra à se garer n'importe comment. Peu de disciplines sont aussi exigeantes, authentiques et incomprises que le graphe. La compétition, l'adrénaline, la technique, la notoriété, la performance. Le graphe, c'est l'instant présent. Un regard décalé et sans phare de la réalité. Une pulsion. Être graffeur, c'est aller au bout des choses et accepter tous les sacrifices qui vont avec. Et close pour moi, en est devenu l'exemple type. Et quand il fait le job, il le fait pas à moitié. Amène ta fraise, on poursuit l'aventure. Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Avoir le droit de vivre libre. Qu'est-ce qu'il y a, ma Mégane ? Un artiste giga, époustouflant.
Ce que je dis n'est pas important. Seul ce que vous avez compris l'est. On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu'il tombe, mais sur le nombre de fois qu'il se relève. Et le combat, c'est ça, faute de combattants. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Achieve what you want me
L'armurerie. Bah oui, parce qu'il faut essayer d'être bien armé intellectuellement. Sinon, c'est la mort cérébrale, quoi. C'est pour ça que les gus qui habitaient là sont tous partis du reste, hein. Et en urbex sans tête, on se retrouve dans le trou ou au trou. Ça, pour du cassage de porte, c'est du cassage de porte. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres. Maintenant, en rushant, il faut sentir l'odeur de la bombe. Par où c'était qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, purée, sans déconner. Ben non. Il est où le tien? Il est où? Ben ton perso. Oh, il est là, je l'ai vu. Avec le coude de l'artiste, ça c'est extraordinaire. Ah merde, je passe. Désolé. Pas facile à prendre. Les mecs, ils savaient qu'on allait venir, ils auraient quand même pu faire le ménage, merde. Kitsch. Bon, là c'est pas cool, hein. T'aurais quand même pu signer ton œuvre. Hein. Parce que après le mai, c'est sorti vraiment de l'ordinaire. Ah ouais, c'est clair. Oh, oh. Ben, là on suit des films. Ma copine qui va me dire tout à l'heure, t'étais où? Bah à Mykonos. Elle va me prendre pour un délire. Dans un club gay. Oui, oui, ouais, il faut varier les plaisirs. Crac, tes galettes, soin de soi. Moi, on va réaliser un bon spot avec des super crafts. Comme vous pouvez à nouveau constater ici, il faut se lever, là. C'est qui le robinet? Le robinet, je vais le trouver dans les chiottes. Tenez l'enfoiré qui a vandalisé ma maison. Je vais être obligé de laisser la mousse pousser maintenant.
Le Havre te remercie. Le Havre te remercie chaleureusement. François te remercie. Le hangar zéro te remercie. Les autres non, parce qu'ils ont vraiment trop peur de te voir arriver. Les dockers te remercient. Les gendarmes te remercient. Les pervenches te remercient. Les flics te remercient. Les SP te saluent. Et le spot à frais, le futur grand spot à frais aussi, juste derrière eux. Maintenant, cher ami, c'est à moi de te remercier. Pour ces merveilleux moments passés en ta compagnie, à te regarder œuvrer sur ces murs de friche ou ailleurs, et voir éclore ces magnifiques visages dont toi seul as le secret. C'est devant cette peinture rupestre, visiblement de tribus réunionnaises venues s'échouer ici, en Normandie, il y a des siècles et des siècles, que je vais rendre l'antenne. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Toujours bien rock'n'roll, bien sûr. Maintenant, il est temps pour moi. En exclusivité mondiale, de révéler l'identité de celui qui se cache derrière les fabuleux visages du roi Éclose. Ce visage, c'est celui du patron d'IKEA, feu Ingvar Kamprad. Sieg Heil!